statue. C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose. On ne doit pas être très loin de la cité perdue. Regardez cette drôle de plante orange. Ah, oui, son nom scientifique est Heliconia jacquini. Et celle-là, son nom c'est Chrysanthemum leucanthemum. Comment tu as pu deviner ça? C'est écrit sur l'étiquette. Oh, c'est bizarre. Cette statue a une étiquette aussi. Et celle-là aussi. Il y a un prix écrit sur cette plante, 4,99. C'est pas mal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Oui, une espèce de fou s'est promené dans la jungle en mettant des étiquettes partout. Et maintenant il pleut. Ce n'est pas de la pluie. C'est un être humain avec un arrosoir dans la main. Mais ce n'est pas du tout la jungle ici. Mais oui, on est dans une jardinerie. Gaston nous a conduits au mauvais endroit. Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle. Oh, et nous, on est coincés dans une jardinerie. Allô? Allô? Vous n'êtes plus très loin? Nous sommes un petit peu loin de la jungle. Oh oui! Et vous êtes où? Eh bien, pour l'instant, nous sommes dans une jardinerie, dans un pot de jonquilles, Barbe Rouge. Des jonquilles? Oh oui! Je vous vois. Quoi? Je suis à l'intérieur. Regardez derrière les portes. Coucou! Je croyais que vous aviez dit que vous partiez dans la jungle. Mais c'est une jungle à l'intérieur. Venez voir. Oh, c'est proprement ridicule. Ah, bon, je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours. Oh, une des étoiles est en mouvement. Ah, c'est peut-être une étoile filante. Oh, je peux aussi la voir. Oh, elle va s'écraser sur le sol. Waouh, ah ça, c'était pas loin. Allons jeter un coup d'œil. C'est là que l'étoile filante a atterri. Ça a fait un gros trou. Ça, c'est incroyable. Regardez toute cette fumée. Ça doit être très chaud. Venez, on va descendre pour voir ça de plus près. Non, nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi. Holly, petit déjeuner. Je n'ai pas le temps, papa. Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir. C'est le matin. Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner? Plus tard, maman. Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante. Salut, Ben. Salut, Holly. Wow, qu'est-ce qui a fait ce trou? Une étoile filante. On l'a vu tomber du ciel. C'est génial. Bon, alors, de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté. Baissez la grosse pince! Il y a des fenêtres! C'est un vaisseau spatial? C'est une soucoupe volante! Le toit est en train de s'ouvrir! Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres! Invasion extraterrestre! Invasion extraterrestre! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez! Commencez par soulever ces galets. Maintenant, faites-les avancer. Oh, c'est difficile. Ben oui. Maintenant, vers l'arrière. Quand je frapperai dans les mains, stop! Excellent! Et pour terminer, une petite question toute simple. On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ou juste pour s'amuser? La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses. Tout juste! Vous avez toutes réussi votre examen de magie! Hourra! Et moi, je suis de nouveau Madame Elfe. On peut se faire un gros câlin. Je vous félicite. Bravo, les filles. Tenez, voici vos permis de magie. Signé de la main de l'examinateur en chef, vieille elfe sage. Je savais qu'elles y arriveraient, je leur ai tout appris. Oui, c'est ce qui rend leur réussite encore beaucoup plus incroyable. Je vous remercie, vieille elfe sage. Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez? Oh oui, on adore faire la fête. Et qui dit fête réussie, dit aussi gelée magique.
magique. Nounou Prune, je ne suis pas sûr que ce soit... Gelée magique. Des tonnes et des tonnes. Excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là. Nounou Prune, je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique. Bien sûr que si, regardez. Oh là là là, je vois qu'il a expiré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire... qu'il ne sert plus à rien. Je ne peux plus faire de magie alors? Non, c'est interdit par la loi. Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis. Quoi? Eh oui, je suis obligé de confisquer votre baguette magique. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait. C'est un scandale. Le roi va être furieux en l'apprenant. Gaston! Ce bon vieux Gaston, mon meilleur ami. Au secours, Gaston, nous sommes coincés. Gaston, cours vite et va chercher Nounou Prune. Voilà, la cuisine est de nouveau propre. Non, Gaston, dehors, dehors. Que dis-tu? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf, ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Montre-moi le chemin, Gaston. Nounou Prune, c'est merveilleux, vous êtes là. Nous sommes coincés. Ne vous en faites pas, je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique. Oh, ça n'a pas marché. Non, parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains. Tu dois répondre à une question, Nounou Prune. Quelle question? Un avion vole à 300 km par heure. À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15%? C'est du charabia tout ça. Nounou Prune, faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie. Ça va prendre une éternité. Oh oui, je sais. Gaston peut creuser et nous sauver. Oui, Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous. Gaston, mon vieil ami, creuse un tunnel. Il veut que vous disiez s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Gaston. Gaston. Dépêchez-vous, tous à l'intérieur des maisons. Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres. On se dépêche. Oh, je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur la manite du mouche. Bon, très bien. Rapprochez-vous, les enfants. Oui, mais ces champignons sont des amanites du mouche. Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes. Amanites du mouche. Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal les petites fenêtres sur ces champignons? Non. Oh, Lucie, on a eu chaud. Oh oui, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Le prochain arbre sur la liste est un chêne. Venez les enfants, on va le trouver. Oh non, ils partent en direction du grand arbre elfe. Faut qu'on arrive avant eux. Les grandes personnes, les grandes personnes, elles viennent par ici. Les grandes personnes, tous à l'intérieur de l'arbre, vite. Ils arrivent. Fermez les volets. Parfait, ça ressemble à un arbre tout à fait normal. Ah, vous avez vu, ce bonhomme, il est tout petit. Nous y voilà. Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles. Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse? Quoi? Bien sûr que non. Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants. Le chêne. Oh, c'était moi une. Oui, ça c'est clair. Très bien. C'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste. Suivez-moi, les enfants. Oh, oh, regarde, ils sont en train de prendre la direction du petit château. On va devoir faire vite, Ben. Attendez-moi. Et hop. Papa, les grandes personnes arrivent. Les grandes personnes? Dépêchons, il faut fermer les volets. Parfait. C'est quoi ce bruit? Des géants arrivent. Vite, cachons-nous.
C'est vraiment magnifique ici. Oui, papa. C'est dommage de devoir tout débroussailler. Débroussailler? Pourquoi? Pour faire de la place pour les vaches. Des vaches? Dans la prairie? Elles sont giga énormes. Les vaches pourront brouter dans cette prairie. Il nous suffit d'aplatir ces taupinières. Ce n'est pas une taupinière, c'est la maison de Gaston. Gaston, ils veulent aplatir ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château. Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas. Oh non! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château. Ne t'inquiète pas, Oli. Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe. Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres. Oh, c'est là que se trouve l'arbre elfe. C'est quoi le fumier? Du caca de vache. Oh, peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe. Merci quand même, Ben. Je ferai bien de commencer à construire la clôture. Psst, Lucie. Lucie. Hein? Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Ton père est en train de mettre ses vaches juste là où nous vivons. Oui. C'est terrible, n'est-ce pas? Tu dois lui dire d'arrêter! D'accord, je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici. Non, non! Les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici! Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant. Toi, tu es spécial. Que pouvons-nous faire alors? Allons demander au vieil elfe sage. Ces deux sorts étaient particulièrement stupides. Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose? La gelée magique! La gelée magique? Bah oui, ça, c'est très utile, madame. Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique. Comme pour un goûter d'anniversaire. Ou pour un pique-nique. Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame. D'accord, de la gelée magique. Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette. Moi, je veux le faire. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi. Et je refuse de pratiquer la magie. Exactement. Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non, non, non. Ce ne serait pas convenable. Sottise. Un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein, mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « je l'ai, mais pas des tonnes ». Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer nounou prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et j'en veux tout un tas cette fois. Non, stop. On va se retrouver avec une avalanche de gelée. Je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, madame... Oh. Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants. Je suis madame Elf. Détendez-vous, madame Elf. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Vous... Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine? Partie très loin. Allô? Oh, Reine Chardon! Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant? Oui. Pas de panique, Madame Elf. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devra leur confisquer leur baguette magique. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle cacher les baguettes magiques.
on prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner? Un papillon? Un petit lapin? Un dinosaure! Tarquin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Grandes dents. Bien. Vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Nounou Prune, nourrissez-nous d'un coup de baguette. Mais je ne peux pas, votre majesté. C'est la journée sans magie, vous vous souvenez? Nous n'allons pas mourir de faim, si? Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elf? C'est très gentil de ta part, Ben. On a plein de nourriture, vous savez. Vraiment? Alors je crois que nous allons accepter ta proposition. Il n'y a personne ici, on dirait. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté? Je ne sais pas, moi. Vieil elfe sage, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien... Rien du tout. Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer? Eh si, Ben. En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui. Et on ne pourra pas lui livrer les jouets. Pourquoi pas? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe. On doit pouvoir le réparer. Les elfes sont doués pour... Non. On ne peut pas le réparer, d'accord? Le moteur est en panne de carburant, apparemment. Oh! Et de quel genre de carburant avez-vous besoin? Je ne vous le dirai pas. J'exige une réponse tout de suite. Non, c'est un secret. Vieil elfe sage, de quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin? Oh, de la... Mâche? Non, de... Mayonnaise? Marmotte, non? Marzipan? Magie! De la magie? Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie? Oui, c'est exact. Mais vous détestez la magie. Oui. Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable. Sauf peut-être aujourd'hui. Eh oui. Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie. Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets. Oui, on a la source d'énergie de secours. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise. Oui, on va te déguiser un peu. Parfait. Yes. Bonjour, je suis une elfe, je viens de m'installer dans le voisinage. Oh, vraiment? Et comment tu t'appelles, petite elfe? Je m'appelle Fraise. C'est un joli nom. Je voulais dire Alice. C'est encore plus joli, je t'en prie, entre. Cette elfe est une espionne des fées. Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau. Wow! Vous avez un énorme bateau. Oui, et il n'est pas encore terminé. Il faut encore qu'on ajoute ses pattes. Des pattes? Tous les bateaux vikings ont des pattes. Des pattes de canard. Des pattes de canard? Et on va remplacer la tête de dragon par... Par la tête d'un hippopotame qui crache du feu. C'est très intéressant. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau? Non, c'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune. Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule. Me revoilà. Oh, un elfe? Non, c'est moi. Le bateau des elfes est vraiment, vraiment énorme. Aucun problème, on va arranger ça. Et il faut ajouter des pattes de canard. Ah, vraiment? Alors ajoutons ces pattes de canard. Et il faut une tête d'hippopotame à la proue qui crache du feu. Mais je n'ai pas de pièces, moi. Vous les avez toutes fait disparaître. Oh, s'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent. J'ai un bouton, si vous voulez.
Peut-être que ça marchera. Ça refait le bruit de popcorn, vous entendez? Oh, il est rempli de boutons. Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons? Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons? Non. Le coffre à argent magique ne marche plus. Oui, votre majesté. C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons. Et nous devons payer Monsieur Elf. Ne t'inquiète pas, Oli, je vais arranger tout ça. C'est très embarrassant, mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui. Ne soyez pas embarrassé pour ça, votre majesté, ce n'est pas un problème. Je suis vraiment désolé, vous savez. Non, ne vous tracassez pas pour ça, voyons. Parfait. Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent et je reviendrai avec la nourriture. Au revoir. Au revoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise nouvelle. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner. Et tout ça pour une stupide histoire d'argent. L'argent, ça sert à quoi? Je ne sais pas exactement, Oli, mais on dirait que ça plaît aux elfes. Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa? Il fonctionne bien, ce coffre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or. Alors, qui en a une? C'est tout le problème, très cher. Plus personne n'a de pièces d'or. Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver? Mon père est payé en pièces d'or pour son travail à l'usine. Oh, vraiment? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer. Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa? Je ne sais pas trop. Je dois être doué pour un tas de choses. Je suis le roi. J'ai dit assis. Allez! Vous voyez, c'est impossible. Assis! De la fermeté! Vous devez lui montrer qui est le maître! Allons! Vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse! Voilà, on se tient droit! C'est ça? Tu veux qu'on essaye, Gaston? Non! Ne lui posez pas la question! Montrez-lui qui commande! Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami. C'est vous le maître! Vous devez le lui montrer! Gaston! Au pied! Lève les genoux, Gaston! Redresse la tête! Tiens-toi droit! Voilà, c'est bien, Gaston! Je suis fière de toi! Bravo! Allez-y, monsieur Chardon! Essayez! Au pied! C'est ça, oui! Mais plus fort! Au pied! Et maintenant, tous au parcours d'obstacles! Allez! Hop! On ne traîne pas! La bascule! Voilà, bravo! Traversez le tunnel! Excellent! Passez entre les piquets! Et sautez au-dessus de la flaque de boue! Tu n'as pas le droit de voler, Bobby! Saute, Gaston! Allez, vas-y! Montrez-lui qui commande! Allez, Gaston! Saute! Et voilà! La bascule maintenant! C'est très bien! Traverse le tunnel, s'il te plaît! Bravo, Gaston! Tourne autour des piquets! Et saute au-dessus de la mare de boue! Oh! Gaston est tombé dans la boue! Il en a partout! Un peu de boue, c'est pas bien grave, n'est-ce pas, Gaston? Elf à la rescousse? Allô? C'est Nounou Prune. Je suis bloquée près du lac. Bloquée près du lac? Tenez bon, nous arrivons tout de suite. Elf à la rescousse, en avant! Quel est votre problème, Nounou Prune? J'ai mal aux jambes. Vous pouvez me ramener à la maison? Quoi? Nounou Prune, le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences. Soudou, Bijou, vous pouvez me ramener, oui ou non? Voilà comment j'aime voyager, du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle. Papa, je pourrais piloter la fusée moi aussi? Non, Ben, tu n'es pas assez grand pour ça. C'est pas juste, il n'y a que les grandes personnes qui s'amusent. Nous, on veut aussi sauver des gens. Vous allez devoir attendre d'être plus âgé, c'est tout. Merci, Elf à la rescousse. Et ne nous faites plus perdre notre temps. Charmant.
Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. Elfe à la rescousse, c'est strictement réservé aux urgences. Oh, on s'en fiche. Cool! Vous avez été sauvés par Elf à la rescousse. Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi. Ouais! Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire. Oh! Elf à la rescousse? Ah, bonté divine, on a besoin de votre aide, Elf à la rescousse. Oh, et quel est votre problème? Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces. Nous arrivons tout de suite. Appel à toutes les unités. Une vache est coincée dans un tas de ronces. On s'en charge! Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature. Comme Fluffy, notre hamster. Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy? C'est un hamster! Oui, mais c'est quel genre d'animal? C'est un mammifère. Un mammifère? Oui, bravo Lucie! Son véritable nom, c'est Mesocricetus auratus. Son véritable nom est Mesocricetus auratus. Bonté divine, nous allons nous contenter de Fluffy. Oh non! Gaston a senti les bananes! Il adore ça! Gaston, viens ici! Arrête! Reviens! La nature est tout autour de nous, comme ce joli petit insecte. L'un de vous peut-il me dire son nom? Gaston, et c'est un garçon. C'est très drôle, Lucie. Je crois que c'est une coccinelle. Oui, on l'appelle aussi bête à bon Dieu. Et de quoi se nourrit-elle? Gaston adore les tartes. Et les spaghettis bolognaises. Des tartes et des spaghettis bolognaises. Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons. Mettons la coccinelle dans ce pot. Oh non, Gaston est prisonnier. Nous allons lui rendre sa liberté plus tard. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer. Mais les enfants vont vous voir. Ne t'inquiète pas, Ben. Je vais faire attention. Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau. Il y a une fée? Montre-moi ça. Nounou Prune, la maîtresse arrive. Faites semblant d'être un jouet. Oh oui, c'est vrai, et voilà. Oh, une petite fée, ma reine. À qui appartient ce jouet? À moi. Est-ce que tu te souviens de la règle? On n'amène pas de jouet en classe. Voilà, je vais mettre ta poupée dans mon tiroir. Tu pourras la récupérer en fin de journée, d'accord? Oui, maîtresse Coupe. L'œuf de dragon est en train d'éclore. Mon père, eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux. Et aussi, ils crachent du feu. Oh, j'ai peur. Il faut s'enfuir. Oh, il n'est pas tout mignon. Bonjour. Oh, mais il est tout trop mignon. Gaston, sois gentil avec le bébé dragon. Méchante coccinelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et pourquoi pas petit câlin? Non, on devrait l'appeler canine. Ouais, canine. Moi j'aime bien gentil doudou. Griffe de feu. Qu'est-ce que vous pensez de Dave? Dave le dragon. Ouais. Dave, c'est ton nouveau nom. Dave a vraiment de très grosses pattes. Ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Bon, d'accord. Va chercher le bâton. Waouh! Qu'est-ce que tu es malin, Dave. Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre. Oh, c'est trop mignon. Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Oh, mais où est Gaston? Oh, ça j'en sais rien. Oh bah, c'est pas très grave. Nous, on a Dave. Princesse Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, il faut que je rentre à la maison. Salut. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis poupée prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît.
Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée prune et rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... on obtient une copie exacte. Wow! Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui, mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune, c'est une copie parfaite. Oui, et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez, contentons-nous d'une seule, juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune, c'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail.